Bonjour à toutes et à tous. Me voici, me revoilà aujourd'hui pour faire ensemble donc notre toute dernière, notre 25e boîte du calendrier de l'Avent. Pour cette 25e et dernière boîte, je ne vais pas utiliser une boîte, mais je vais de nouveau faire un petit emballage cadeau grâce à mes serviettes que vous connaissez maintenant. Parce que je vais en fait lui offrir, parce que pour le 25e, pour que ce soit quand même un petit peu un cadeau qui marque, un porte-carte. Il utilise ça comme porte-monnaie. Lui n'a plus de porte-monnaie à proprement dit. Il a que des porte-cartes. Parce que chez nous, enfin, je pense que chez vous, c'est aussi un peu la même chose, mais la carte pour la santé, c'est comme une carte de crédit. La carte pour l'identité, c'est comme une carte de crédit. Le permis de conduire aussi. Donc, il a plus besoin de ça et il y a toujours une petite poche où il peut mettre un petit peu de l'argent dedans et puis la monnaie dans ses poches. Donc voilà. Et puis là, le sien est complètement destroyé. Donc j'ai décidé d'y offrir un nouveau et donc je vais le mettre dans ce calendrier de l'avant. Mais bien sûr, c'est bien trop grand pour passer dans une boîte. Donc on va faire un petit paquet cadeau avec notre serviette. Donc voilà, je viens le mettre par ici, je replie dessous. Voilà, je tire un petit peu dessus. Et comme ça, je viens refermer par en dessous. Voilà. Ensuite, ça va être un petit peu trop long. Je vais couper un bout. Voilà. L'autre côté aussi, on va y couper un bout. C'est quand même bien trop long. Et ensuite, on va venir replier ça par-dessus, tout simplement. Voilà, même si c'est encore trop long. J'essaie de faire ça quand même assez proprement. Voilà. Du scotch pour fermer tout ça. Voilà. Et puis ben maintenant, il n'y aura plus qu'à mettre un petit ruban dessus et puis à décorer. Donc ça, ce sera dans la vidéo décoration. Donc voilà, on arrive au bout de notre remplissage du calendrier de l'Avent avec ce 25e petit cadeau. J'espère que mes idées de remplissage, de quoi mettre dans le calendrier de l'Avent vous auront plu, que vous trouverez ça pas trop mal, quoi. J'espère que vous trouverez que ce sont quand même des bonnes idées. Et puis peut-être que ben, ça vous donnera des idées pour votre calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et bye bye!